6. Donc, on a 5 minutes pour le dernier groupe. Ah. Allons-y. Ok, merci madame. Bonjour, chers camarades. Alors, le thème soumis à notre étude, il était question pour nous, n'est-ce pas, de faire un exemple de système d'information. Donc, le cas que nous avons choisi, c'est, n'est-ce pas, la gestion d'un registre hôtelier. Voilà, les noms de groupes sont. Donc, l'exemple ci-dessous présente un hôtel. Voilà, ici on a l'hôtel et maintenant on a le client. Ici on a le service à accueil. Le client se situe à quel niveau? C'est qu'on a remarqué que bon, c'est un de mes amis dans mon groupe qui a eu à gérer un hôtel. Il a remarqué que dans la gérance de son hôtel, au niveau du service à accueil, lorsque un client se présente, chaque fois qu'un client va venir réserver une chambre, celui-ci va, n'est-ce pas, présenter, celui-ci est obligé de présenter sa carte pour qu'on puisse l'enregistrer. Donc, pour éviter d'être enregistré à chaque fois, on a décidé, n'est-ce pas, de créer une base de données où lorsque le client vient, dès qu'on met son nom, on voit que ah, le client est venu tel jour. Et puis. Au service de sécurité, parce que généralement les registres d'accueil au niveau des hôtels sont suivis par les services de sécurité comme le commissariat. Si lors d'une enquête on décide de faire, au cours d'une enquête on veut faire des recherches sur des criminels, peut-être on va essayer de voir si les criminels, peut-être, il a logé dans tel hôtel, tel hôtel. Donc, ce registre-là, n'est-ce pas, permet au service de sécurité de pouvoir affiner également leurs recherches. Donc, raison pour laquelle nous avons décidé de créer une base de données dans ce stade-là. Donc, slide suivant. Voilà. Donc, comme problématique, on a dit comment automatiser la gestion d'un registre hôtelier à l'intérieur d'un pays. Parce que très souvent, on connaît qu'à l'intérieur du pays, il n'y a pas de grand hôtel comme Abidjan, Abidjan et Yamoussoukro. Donc, pour les autres, ce sont des petits hôtels. Donc, très souvent, eux, leur registre est mal écrit. Bon. Donc, pour ne pas avoir à chaque fois, il y a un client qui peut venir aujourd'hui, on peut l'enregistrer, puis il peut venir encore dans un an dans le même hôtel. Là, comme on a derrière une base de données où il était dedans, là, on n'a plus besoin de, comment dirais-je, l'enregistrer encore avec son nom. Tout ça, c'est. Ça prend du temps. Donc, avec cela, ça peut aller rapidement. Et aussi, le but, c'est de permettre à l'accueil d'éviter les erreurs et d'améliorer l'efficacité lors de l'enregistrement de ses clients. Et objectif, automatiser la gestion des informations du client, réduire le temps de traitement des réservations et des fiches d'enregistrement entrée et sortie pour améliorer l'expérience du client et réduire les files d'attente. Aussi réduire les risques des erreurs humaines dans la gestion des données des clients. Aussi optimiser la gestion des chambres disponibles et des réservations pour maximiser l'occupation et les profils. C'est tout. Vous avez des questions? Ok, merci beaucoup. Merci pour votre question. Question? Bon, avant que Adjoine ne pose sa question, j'ai une question. Allons-y sur le présent. Dans cette base de données, quelle est jusqu'à où va la copie d'identité du client? La confidentialité du client. La protection de ses données. La protection de ses données. Les informations. La base de données va permettre d'enregistrer les informations. Les informations du client sont enregistrées à la base de données. Si une organisation a besoin de ces informations, cette organisation va devoir présenter un mandat. Voilà, c'est sur la présentation d'un mandat qu'on va délivrer les informations. D'accord, question.
qui vient dans le pays, qui ne maîtrise pas. Par exemple, je vois qu'il peut venir. L'application peut lui permettre de reconnaître directement votre hôtel et voir son lieu de et faire le nom de celui. Et ce n'est pas une application, c'est seulement une petite base de données. La base de données qu'on va créer est spécifique à un hôtel. Elle va permettre à l'hôtel de pouvoir enregistrer ses clients. Au lieu de, généralement, ce sont les registres qui les manuscrits qui, comment on appelle ça, les accueils. Lorsque tu viens, ils vont fouiller, ils vont écrire ton nom, tout ça, ça pointe. Généralement, quand tu viens, tu vas voir qu'il y a une foule d'attente. Tout ça, c'est pour l'enregistrement. Alors que bon, il y a des gens, ils ont honte. On va venir voir de loin. Il y a tout le monde. Bon, tout ça, ça fait les verres. Dans ce cas, dans le cas d'une application, et ce que elle vient de poser, mais est-ce que la base de données n'est pas beaucoup trop simple? Vous êtes sûr que vous n'avez pas des éléments que vous avez besoin à la longue? Si, si, si. Comment on dit, lorsqu'on a suivi les études, on a appliqué, on les va suivre quelques jours. Donc, si vous nous donnez, comment on appelle ça, l'opportunité, on va essayer d'améliorer. Vous aurez l'opportunité, vous avez l'opportunité. Il n'y a pas de problème. Si c'est dans le groupe. Oh, d'accord. En fait, madame, comme on a bien appris un cas, au niveau de l'enregistrement, c'est pas une base pour tout le monde. Parce que tu vas avoir des dégâts dans le temps. C'est le moment qui est suivi, qui rentre. Donc, lui qui va aujourd'hui,
c'est pour le demain tu repasses moi tu même si on va t'investir aujourd'hui on saura que on va s'assurer que tu es là. Vous voulez juste intervenir pour dire que ce genre de plateforme là, quand on les constitue, c'est pas seulement pour un hôtel fixe en fait. On peut étiqueter ou bien concevoir ce genre de plateforme un grand nombre de personnes pour faire des études. Par exemple, savoir le nombre de personnes qui fréquentent les hôtels demain dans le mois ou dans l'année. Et puis pour la confidentialité. Pour la compensabilité des personnes qui viennent aussi édicter la condition de confidentialité, protéger les données de cette personne. En tout cas, votre temps, c'est de répondre. Voyez, si vous pouvez ajouter encore des éléments, si vous pouvez ajouter que ça commence à avoir un petit peu d'alimentation, il n'y a pas de problème. Mais voyez, si vous pouvez ajouter, améliorer. Parce que le client qui vient, est-ce que votre hôtel ne met pas en place un service pour aller chercher le client si jamais le client est pas régulé? Est-ce qu'il n'y a pas un service pour aller chez le client? Oui. Le client peut sortir et visiter des sites. Parce que quand, vous avez dit, c'est comme si c'est les hôtels basiques là, deux étoiles. Sans un peu, on suppose que quand même à l'intérieur, il faut avoir des hôtels de 3 à 4 étoiles. Comment ces hôtels font pour pouvoir vraiment non seulement se faire connaître? Parce que là, si vous restez là seulement, vous ne pouvez pas encore connaître à l'intérieur par les hôtels. C'est seulement, non pas forcément à l'international, mais au niveau national, même tous. Nous supposons que c'est des hôtels à 3 étoiles. Au niveau national, quelqu'un où il s'en va peut-être à 20 jours, il ne peut pas avoir les temps de ces hôtels. Pour ce même pas qu'il passe là, mais quelqu'un le mieux recommence. Oh, s'il y avait un site bien situé, que par exemple, il voit sur le site des hôtels d'avant, vous voyez que vous affichez, ça peut être absolu. Mais la manière votre base de données, ça ne sera pas affiché si il y a un site. Voilà. Donc, essayez de voir comment vous mettez là. Mais si vous ne pouvez plus, donc vous pensez que c'est pas. Les autres vont copier la mesure, peut-être, ça va ouvrir votre esprit. Question? Il n'y en a plus. Hein. En tout cas, je vous remercie pour tous. Oui, c'est bien. Je vais vous montrer.